Jean dit qu'il est la voix. Alléluia. Il dit, je suis la voix. Comme je vous expliquais ce midi, le ministère de Jean, regardez. Durant toutes ces années où Jean était préparé, son ministère n'avait duré que quelques mois. Amen. Quelques mois. Et il a eu d'impact. Jean a dit, je suis la voix de celui qui crie. Donc Jean même a reconnu qu'il était une voix. Alléluia. C'est dans cette salle? C'est ici? Il n'y a pas ça dans cette maison. Jean a reconnu qu'il était une voix. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez que Jean était sacrificateur? Jean était fils de sacrificateur. Est-ce que vous vous rappelez? Ok, dites-moi, quelle est la mission du sacrificateur? Tu veux voir si mes leaders, car à toi si tu... Le sacrificateur. Le sacrificateur est celui-là qui présente le sacrifice à l'Éternel. À l'Éternel, voilà. Le sacrificateur, c'est l'homme qui se tient entre Dieu et le peuple. Il va vers Dieu, il parle du peuple auprès de Dieu, il plaide pour le peuple. Et il prend les paroles de Dieu, il vient vers le peuple et dit au peuple les paroles de Dieu. Jean n'était pas dans ce ministère seulement. Jean était dans le ministère prophétique. Amen. Qu'il plaise un jour que je vous parle du sacrificateur, du roi et du prophète. Donc Jean était à la fois de la classe des sacrificateurs et de la classe prophétique. Amen. Jean était sacrificateur. S'il devait continuer le sacerdoce, il devait être sacrificateur et il était à la fois prophète. Maintenant, Jean dit, je suis la voix. Donc, Jean était une voix en Israël. Maintenant, quand vous lisez entre Malachie et Matthieu, vous savez combien d'années il y a là? Praise God. Vous savez combien d'années il y a entre Malachie et Matthieu? Hein? Qui peut me dire ça? Entre Malachie et Matthieu. Faut pas regarder, faut pas regarder. Entre Malachie et Matthieu, il y a 500 ans. Vous voyez la façon dont les feuilles là sont proches dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Malachie jusqu'à Matthieu? Et il n'y a rien, il y a pas eu d'écrit. Parce que s'il y avait eu de prophète, s'il y avait eu d'écrit, c'est... S'il y avait eu d'écrit, on devrait trouver ça dans la Bible. Donc entre Malachie et Matthieu, il n'y a pas eu d'écrit. Il n'y a pas eu de prophétie, il n'y a eu rien. Praise God. Il n'y avait pas de voix. S'il y avait de prophète, il devait y avoir des cris. Il n'y a pas eu d'envoyé provenant de l'Éternel. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de pages vides comme ça dans nos vies. Qu'il n'y ait pas de pages vides comme ça dans notre histoire. Je prie pour toi qu'il n'y ait pas de pages vides comme ça. Regardez entre Malachie et Matthieu. Il y a 500 ans pendant lesquels Dieu n'a rien dit à son peuple. 500 ans. Imagine.
que ton cas c'est 1 an ou 2 ans. Imagine que c'est 1 mois. Imagine que c'est 1 semaine. Donc Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. C'est la batterie qui reçoit un coup de fil. Amen. Maintenant, quand Jean dit qu'il est une voix, Jean avait une mission en ce temps. Lisons l'évangile de Luc. Luc, au chapitre 1. Laissez-moi poser quelques soubassements à partir de verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Car ta prière a été ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Regardez. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc Jean dit qu'il a une voix. Mais cette voix avait un ministère spécifique. Cette voix devait ramener les fils d'Israël qui étaient perdus, égarés loin de la vérité. Cette voix devrait les ramener vers le Seigneur. Autrement dit, cette voix avait un message de repentance. Deux, il dit cette voix va ramener les rebelles. Ici, rebelles là, c'est ceux qui refusent de se laisser convaincre. Amen. Vous savez, il y a certaines catégories de personnes. Ils sont programmés à ce qu'on ne puisse pas les convaincre par l'évangile. Alléluia. Yeah. Il dit, Jean a été envoyé pour ramener les rebelles à la sagesse des justes. C'est quoi la sagesse des justes? Pour ramener les rebelles à Phronesis. Phronesis, c'est une attitude mentale fixe. Alléluia. Quand je parle de phronesis, tu as une certaine manière de penser de façon juste où on ne peut plus t'amener à croire autre chose. Alléluia. Phronesis. Et afin de ramener les rebelles à la sagesse des justes. Voici un peu la mission de Jean. Et je vous ai dit que quiconque écoutait la voix de Jean durant les 6 mois que Jean opérait son ministère ou durant le temps que Jean opérait son ministère, ces personnes, un, devaient revenir au Seigneur. Deux, ces personnes allaient venir à la sagesse des justes. Et il dit ensuite, pour ramener le cœur des enfants vers les pères
et le cœur des pères vers les fils. Ce qui veut dire qu'il y avait un désaccord entre les pères et les fils. Maintenant, laissez-moi vous prouver ça. Vous savez, quand certaines choses arrivent la plupart du temps aux Juifs, les Juifs disent, si quelqu'un, le portable de quelqu'un sonne encore, je sors la personne de la salle. Tu peux sortir, ne plus revenir. Ça, c'est la dernière fois que je parle. Si le portable de quelqu'un sonne dans cette salle ce soir, je vais expulser la personne de la salle. Ici, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Si le portable de quelqu'un sonne, je te sors de la salle ce soir. Ça, c'est un avertissement. Ça, c'est de l'indiscipline dans la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu peux être en audience avec Kérékou ou bien Yaïboni et ton portable va sonner. Quelles sont ces histoires-là dans la maison de Dieu? Amen. Alors, quiconque, les Juifs, dans ce temps, quand il y avait du problème, et ce problème n'était pas lié au péché des fils, les fils disaient, c'est nos pères qui ont mangé du raisin, et nous souffrons. Et il y avait un désaccord entre les fils et les pères. Alléluia. La Bible dit que Jean était venu pour reconstruire les familles. Alléluia. Jean avait aussi un message de reconstruction pour ramener le cœur vers le fils et le fils vers le père. Ramener l'unité dans les familles. Ramener l'unité en Israël. Donc quiconque devrait écouter le message de Jean pendant cette période. Alléluia. Devrait venir à la repentance. Un. Et deux, devrait venir à l'unité. S'il y avait des désaccords dans sa famille, doit venir à l'unité, doit venir à la restauration. Mais Jésus a dit quelque chose aux Juifs. Il les a dit, le baptême de Jean venait de qui? Alléluia. Mais la Bible dit que là, les pharisiens n'ont pas pu donner la réponse à Jésus. Parce qu'ils se disaient que si le baptême de Jean venait des hommes, le peuple allait les lapider. Amen. Et s'ils disaient que le baptême de Jean venait de Jésus, Jésus allait leur dire, mais pourquoi vous ne vous êtes pas fait baptiser? Et Jésus dit aux pharisiens, vous avez anéanti le dessein de Dieu à votre égard. Il dit, vous avez anéanti le dessein de Dieu. Vous avez annulé le plan de Dieu pour votre propre vie en rejetant le message de Jean, en rejetant la voix de Jean. Vous avez annulé le dessein de Dieu pour votre vie. Il dit, les publicains se sont fait baptiser. Ce qui veut dire que les publicains sont rentrés dans le plan de Dieu pour leur vie. Et nous voyons quelques temps après, Jean introduit Jésus dans le Jourdain. Et Jean dit, l'Esprit m'a dit, celui sur qui je verrai l'Esprit descendre, il dit, celui-là, c'est lui qui est la voix qu'Israël doit écouter. Et Jean, Jésus passait, Jean dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et un autre jour, Jean passait, et Jésus passait, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Et instantanément, les disciples de Jésus, de Jean, ont laissé Jean pour suivre Jésus à partir de ce jour. Parce que le ministère de Jean était fini. Alléluia. Parce que la voix de Jean avait terminé sa mission. Praise God. La voix de Jean avait terminé sa mission. Et là, le peuple maintenant était appelé à écouter une voix. Écoutez attentivement. Et Jésus est venu. Et Jésus aussi a commencé son ministère. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarés d'Israël. Ce qui veut dire, pendant cette période, c'est seulement les brebis égarés d'Israël qui doivent écouter ma voix. Il appelle ses disciples. Il dit, allez dans les villes des Juifs, mais n'allez pas dans la ville des Samaritains. Parce qu'actuellement, c'est seulement Israël qui doit écouter ma voix. Parce qu'en ce moment, Jésus n'était pas encore devenu l'agneau de Dieu.
Il n'était pas devenu l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché du monde. En ce moment, il était en train de régler quelque chose avec les Juifs. C'est à partir de la croix qu'il devient maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'en ce moment, le monde était sans Dieu, privé de Dieu. Mais les Juifs, écoutez-moi bien, avaient besoin de se repentir. Nous, on n'avait pas besoin de la repentance. Nous, on avait seulement besoin de naître de nouveau. On avait besoin de recevoir une nouvelle vie en Jésus. Mais les Juifs avaient brisé une alliance. Alléluia. Et Dieu les appelait à retourner à leur Dieu. Mais nous, on nous appelle à retourner à quoi? Nous étions sans Dieu, donc on ne pouvait pas retourner à Dieu. On avait seulement besoin de naître de nouveau. Alléluia. Tu as seulement besoin de naître de nouveau quand tu n'es pas encore né de nouveau. Tu vas t'efforcer, tu vas tout faire pour arrêter de mener une mauvaise vie. Tu n'y arriveras pas. C'est seulement quand tu vas naître de nouveau que la capacité, alléluia, de pouvoir vivre une vie de justice sera impactée dans ton esprit. C'est pour ça que les gens dans le monde, ils disent, j'ai envie de laisser la cigarette, j'ai envie de laisser les femmes, j'ai envie de cesser de faire du mal, mais je ne sais pas, je n'arrive pas, alléluia. Il ne peut pas cesser, à moins qu'il naisse de nouveau. 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 Alléluia. C'est pour ça que vous n'êtes pas enfant de Dieu en faisant du bien, en faisant des aumônes. Vous devenez enfant de Dieu en naissant de nouveau. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est peut-être l'opportunité pour toi ce soir. Alléluia. C'est pour l'opportunité pour toi d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que la voix qui te parle ce soir aussi, c'est la voix dont tu as besoin pour naître de nouveau. Amen. Voilà. Donc, lisons Ésaïe 42. Hey, papa presse, désormais, quand je prêche, vous avez des cartons rouges. Il y a certaines personnes, je vais te les doigter, tu vas les donner des cartons rouges. Ils vont sortir. Désormais, il faut acheter les cartons rouges dès demain. Il va tout faire pour que moi-même, je ne lui donne pas de cartons rouges. Donc, désormais, quand je prêche, tu restes ici avec les cartons rouges. Cartons rouges, cartons jaunes. Certaines personnes vont recevoir les cartons jaunes d'abord. Amen. Si toi-même, je te donne des cartons rouges. Non, on ne peut pas être dans la maison, faire des choses comme ça. Quand nous venons dans la maison de Dieu, comportons-nous comme des brebis. Comportons-nous comme des enfants qui sont assis devant les pères. Donnons du respect à la maison de Dieu. Donnons réellement du respect à la maison de Dieu. Vous pouvez attraper des problèmes, pas juste votre manque de respect pour la maison de Dieu. Et vous ne saurez jamais que c'est parce que vous avez simplement manqué du respect à la maison de Dieu. Donne-nous du respect à la maison de Dieu. Quand nous sommes dans la maison de Dieu comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe. Praise God. Tu ne sais même pas si un ange est à côté de toi, là où tu es là. Tu ne sais pas. Parfois, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous dansons, nous chantons. Nous sommes habitués aux choses de tous les jours là. On ne voit rien. Donc pour nous là, bon, il n'y a rien. Écoutez, un jour, un monsieur prêchait dans une église au Ghana. Et méfiez-vous aussi quand les gens prêchent et vous. Ils font des choses, vous critiquez, vous pouvez attraper des problèmes. L'homme de Dieu s'est levé seulement, il dit, je veux la bouillie. Il dit, allez me chercher de la bouillie. Ils sont allés au dehors chercher ceux qui vendent de la bouillie. Ils ont amené la mamie ou bien le seau de la bouillie. Et l'homme de Dieu a parlé sur la bouillie. Il a dit, où sont toutes les femmes ici qui souffrent de kystes, de fibromes, qui ont besoin d'enfants? Venez. Il dit, donnez-les la bouillie. Et quelqu'un disait, quoi faire de bouillie qui est venu? Pendant qu'il disait ça, Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu Dieu assis sur un trône derrière le monsieur. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, faites attention. Le témoin a dit, après ce soir de séminaire-là, les femmes pondaient d'enfants dans l'église là seulement. Les femmes pondaient d'enfants là dans l'église là seulement. Attendez, si moi je suis en train de prêcher, je crache par terre maintenant, j'ai fait de la bouche, je me suis l'œil de quelqu'un, on va dire l'apôtre a acheté une nouvelle magie.
Parce que quelqu'un est allé chez le bishop pour dire au bishop, ton fils, il prie pour. La personne m'a dit ça moi-même, ça ne le suffit pas. Il dit, on m'a dit que tu as une soutane de christianisme céleste que tu portes. J'ai dit, soutane de christianisme céleste. Ah, ou bien tu parles de mon tali, il dit, ah, c'est ce que Osborne porte. J'ai dit, tout confesse, c'est mon tali, je porte. Ça ne l'a pas suffi. Hein. Il est allé chez le bishop pour dire au bishop que ton fils, il porte quelque chose. Et le bishop lui a dit, il a dit, si vous là, vous ne comprenez pas quelque chose, il ne faut pas critiquer. Amen. Il dit, si vous ne comprenez pas quelque chose là, il ne faut pas critiquer. Praise God. Ouais, quand nous sommes dans une atmosphère spirituelle, nous sommes des hommes spirituels, ne vous précipitez pas pour parler. Faites attention. Faites attention. Et le bishop lui a dit, mais s'il porte de tali là, où est ton problème? Et si tu ne comprends pas, va fouiller dans la Bible et tu vas comprendre au lieu de critiquer. Praise God. Il reste un peu maintenant, ils vont dire, je porte beaucoup de bracelets. Hein? Il reste maintenant, ils vont dire que j'ai une corne ici. Il reste un peu, ils vont dire ça. Mais la corne là, je voulais enlever. Dieu m'a dit, n'enlève pas ça. Dieu m'a dit, n'enlève pas ça. Donc, je ne vais pas enlever. Dieu m'a dit, n'enlève pas ça. Dieu m'a dit, j'ai pris. Dieu m'a dit, n'enlève pas ça. Praise God. Hey. Si tu ne crois pas à mon message, la porte est ouverte là-bas. Si tu ne crois pas que je suis un serviteur de Dieu, inutile de t'asseoir là, tu ne seras pas béni par mon ministère. Si tu ne crois pas, bye bye, je ne t'en veux pas. Dieu va te donner une autre voix, un autre pasteur là-bas. Inutile. Les gens ne sont pas bénis parce que les gens sont assis dans l'église. Ils regardent leur pasteur de la tête jusqu'aux pieds. Mais après, le même pasteur va venir mettre la main sur toi, tu seras béni, tu ne seras pas béni. Parce que tu minimises, tu ne donnes pas de la valeur, tu fais comme Esaü. Tu as méprisé quelque chose. C'est pour ça que les gens ne sont pas bénis dans l'église. Ils ne sont pas bénis. Beaucoup dans l'église ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis. Donc si tu es ici, tu penses qu'ici, là, on fait les choses de certaines manières, tu ne crois pas à ce que nous faisons. Rapproche-toi de quelqu'un. Pose des questions. On va te montrer ça dans la Bible. Maintenant, si tu ne crois pas, et tu n'accèdes pas. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Non. Il reste maintenant là. Ils vont dire, remarquer, hein, tous ceux qui vont à l'église de l'apôtre là, ceux qui sont proches de lui, ils ont des bracelets. C'est là que se trouve. On t'a déjà dit ça. Ils ont des bracelets. Et c'est l'apôtre même qui les met les bracelets. Ils n'ont pas vu dans la Bible. Hein. Là où Dieu même a dit de faire des bracelets, de mettre ça là. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne connaissent pas. Ils ne lisent pas. Je vais vous montrer ce verset dans la Bible tout à l'heure. Il dit ces versets-là, écris-les sur ton front. Écris-les à ta main. Afin que tu les lises tous les jours. Les gens ne comprennent rien là. Ils ne connaissent pas le chemin de l'onction. Au lieu de venir nous demander comment nous avons fait, comment nous faisons, ils veulent parler. Praise God. Ils veulent parler. Et ils vont quitter ici. Ils iront sur le mont Morija. Là-bas, là, ils vont trouver qu'au mont Morija, les gens ont une grosse croix ici. Ils vont quitter là-bas. Ils iront sur Mont Manguier. Sur Mont Manguier, ils vont dire que les pasteurs, ces chaussures ne sont pas bonnes. Ils vont quitter le Mont Manguier. Ils iront sur Mont Cola. Sur Mont Cola, ils vont dire le pasteur, il ne parle pas bien le français. Cette catégorie de personnes-là sont toujours, ils trouvent toujours des choses à dire. Mais ils ne connaissent pas deux versets dans la Bible. S'ils connaissent un, c'est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et ils connaissent aussi, demandez. Et ils connaissent aussi un autre verset. Ils connaissent l'éternel vos mains. Ils connaissent aussi un autre psaume. Psaume 91.
ils connaissent aussi Psaume 91. Psaume 20. Ils connaissent aussi Je lève mes yeux vers les montagnes. Yézé nous couchons là, gardant au sol alors. Alléluia. Amen. Vous voyez, écoutez, que ça soit à MPA ou vous allez dans une autre église, ce que je vous dis, c'est la Bible. Si l'église dans laquelle vous êtes, vous ne voyez pas l'homme là, comme le messager de Dieu pour votre vie, quittez son église. Quittez son église. Quittez. Je vous dis la vérité. Quittez son église. Parce que si même vous faites 5 ans là-bas, vous ne serez jamais béni. Vous savez pourquoi? Votre esprit est fermé. Et son aussi, notre esprit est fermé vis-à-vis de vous. Ça doit couler de son esprit vers ton esprit. Ça coule du cœur vers le cœur. Ton cœur pense déjà que je suis autrement. Et moi, je ne vois pas, mon cœur connaît ce que tu dis. La Bible, comme le visage de l'homme répond au visage dans l'eau, ainsi le cœur répond au cœur. C'est pour ça que certaines personnes, avant même qu'on ne les touche, l'onction est déjà balancée. D'autres personnes, c'est fermé. Tu dois défoncer la porte là d'abord avant d'impacter l'onction là-bas. Amen, on continue. Donc Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Maintenant, je viens. Maintenant, écoutez attentivement. Jésus a dit quelque chose de capital. Il dit aux pharisiens que vous avez annulé le dessein de Dieu pour votre vie parce que vous n'avez pas reçu celui que le ciel vous a envoyé. Mais le peuple juif était en train de prier pour que Dieu fasse quelque chose. Mais quand celui que Dieu a envoyé est arrivé, et les juifs savaient qu'Élie devait revenir. Parce que quand Jésus parlait, il a dit qu'Élie est venu déjà. Et les disciples se sont dit, il parlait de Jean. Praise God. Ils n'ont pas reconnu quand Élie est revenu. Et toutes ces personnes ont annulé le dessein de Dieu pour leur vie. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix que Dieu les a envoyées. Nous sommes allés dans Ésaïe 42. Lisons Ésaïe 42. À partir de verset 22. Ésaïe 42. Regardez, il dit, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Ils disent, ils ont été dépouillés et il n'y avait personne pour prononcer une parole sur leur vie. Parce qu'écoutez, prononcer une parole sur leur vie, ce n'était pas de simples paroles. Ça devrait être une certaine qualité de parole. Ça devait être une parole remplie de la capacité de Dieu. C'est seulement celui que le ciel a mandaté pour déclarer de telles paroles sur la vie qui devrait la déclarer. Il dit, c'est un peuple dépouillé. 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 Et personne pour prophétiser la restauration sur la vie. Et je suis parti de là dans le livre des Exode. D'abord, je suis allé dans Actes 10 pour montrer quand Corneille priait. Et Dieu lui a dit, envoie des gens vers Pierre. Et Pierre viendra te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Tandis qu'il a trouvé un ange face à face. L'ange n'a pas amené le message pour lui. L'ange est venu lui dire, envoie des gens à Pierre. Et Pierre viendra te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Et je vous ai dit que l'évangile n'a pas été confié aux anges, ça a été confié aux hommes. Nous sommes allés maintenant dans Exode. Moïse qui faisait paître les troupeaux de son père était là quand Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu a donné un seul message à Moïse. Moïse avait un seul message à prêcher. Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Ce qui veut dire tous ceux qui avaient écouté la voix de Moïse étaient sortis de l'Égypte.
Mais ce soir, je vais continuer à partir de Josué. Lisons Josué au chapitre 1. Josué au chapitre 1. Josué au chapitre 1. Josué 1 à partir de verset 6. Regardez. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous voyez, Moïse avait un ministère de délivrance, délivrer le peuple de la maison de servitude. Mais Josué n'avait pas un ministère de délivrance. Josué avait un ministère différent de celui de Moïse. Mais c'était avec la même onction. Josué devrait amener le peuple sur la terre des promesses. Tous ceux qui avaient écouté la voix de Josué sont allés à Canaan. Tous ceux qui avaient décidé d'écouter la voix de Josué étaient allés à Canaan. Tous ceux qui avaient écouté la voix de Josué. Parce que quand vous lisez la Bible, à chaque instant, le peuple ne savait pas quoi faire. Le peuple devait traverser le Jourdain, mais le peuple ne savait pas quoi faire. Alléluia. La Bible dit Moïse est allé devant l'Éternel. Et l'Éternel a dit Josué, ok, c'est simple, prenez l'arche de l'Éternel. Quand les sacrificateurs qui portent l'arche vont mettre leurs pieds dans l'eau, le Jourdain va regorger. Josué est venu. Ils ont traversé le Jourdain en sec. Ils sont venus devant Jéricho. Ils ne savaient pas quoi faire. Amen. L'Éternel a dit Josué, vois, je te donne Jéricho. Il dit, dans cette affaire de Jéricho, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de coupe-coupe. Il dit, faites le tour de la ville une fois par jour. Il dit, mais au septième jour, faites le tour de la ville sept fois. Il dit, quand vous allez faire le tour de la ville sept fois, vous aurez la délivrance. Et je suppose que Josué est venu à appeler les anciens d'Israël. Il a dit, Dieu m'a dit, il n'y a pas de combat. Tout comme fait, ils n'avaient pas d'épée. Ils n'avaient pas d'épée. Ils n'avaient pas d'épée. Il dit, nous allons faire le tour de la ville une fois. Regardez, nous allons faire le tour de la ville une fois. Ils étaient en train de faire le tour de la ville. Ils étaient en train de faire le chaque jour. Et quand ils font le tour de la ville, les habitants de Jéricho ne les regardaient pas la muraille. Ce qu'ils faisaient, c'est bizarre, ça n'a pas de sens. Alléluia. La plupart du temps, les choses que Dieu nous amène à faire n'ont pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Tandis que les autres passaient toutes les journées à aiguiser les couteaux. Parce que les autres se préparaient pour un jour de combat. Mais au septième jour, la Bible dit que l'arche de l'Éternel était devant. Et le peuple a fait le tour de la ville sept fois. À la septième fois, Josué a dit crier. Quand le peuple a commencé à pousser des cris, qu'est-ce qui s'est passé? La muraille s'est écroulée. Ils sont montés dans la ville de Jéricho. Ils ont massacré Jéricho. Ils ont pris possession de Jéricho. Le peuple a pris possession de la ville de Jéricho parce qu'il avait écouté la voix de Josué. Venez dans Josué 8, je vais vous montrer quelque chose là. Dans Josué 8. Dans Josué au chapitre 8. Josué 8, lisons le verset 18. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué, étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Il pénétrait dans la ville, la prit et se hâtait d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel. Et ils ne purent se sauver d'aucun ton côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël voyant la prise, La ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville y montait, se retournait et battit les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts.
Israël les bâtit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Il prit vivant le roi d'Aï et l'amena à Josué. Lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans les campagnes, dans les déserts, ainsi de suite, regardez, il y eut au total 12 000 personnes tuées en ce jour-là. Lisons le verset 26. C'est ce qui m'intéresse. Lisons ensemble. Regardez, l'épée de Josué était en haut et le peuple avait la victoire. Maintenant, le peuple pouvait penser qu'ils étaient en train d'éliminer les adversaires. Mais parce que Josué, la Bible dit Josué n'a pas retiré son épée du haut. Jusqu'à ce que le peuple ait achevé d'éliminer le peuple. Ce qui veut dire, tous ceux qui avaient écouté la voix de Josué avaient pris possession de quelque chose. Laisse-moi encore te montrer quelque chose d'autre. Je suis en train de parler de la voix que celui que l'Éternel a envoyé pour toi. La voix. Josué 14, je pense. Josué 14. Lisons le verset 6. Les fils de Juda s'approchaient de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu à mon sujet, au tien et à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pays a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il me l'a dit il y a 40 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais. » Soit pour combattre, soit pour sortir et entrer. Donne-moi donc cette montagne. Hey my God. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna. Pas l'Éternel. Cette fois-ci, Josué bénit Caleb et lui donna. Praise God. Josué bénit Caleb et lui donna. Vous savez pourquoi la Bible dit Josué bénit Caleb lui donna? Parce qu'en ce moment, Josué avait l'autorité qu'il faut pour donner quelque chose à quelqu'un. Maintenant, Josué et Caleb étaient collègues. C'étaient les deux disciples de Moïse. Praise God. Mais comment se fait-il maintenant que Caleb demande à Josué de le bénir? Parce que Josué avait quelque chose que Caleb n'en avait pas. Et ça, c'est que Josué avait. Caleb ne pouvait pas prendre possession. Praise God. Il dit, Josué bénit Caleb. Josué bénit Caleb. Je lisais quelque chose dans Actes et je suis venu quelque part. On a dit, et Paul guérit les malades. Et j'étais choqué. Praise God. Tu as vu ça dans Actes? Et Paul les guérit.
J'étais choqué. Retournez dans le livre des Actes. La Bible dit bien, et Paul le guérit. Paul le guérit. Et j'étais choqué. Paul le guérit. Praise God. Dis, je suis un guérisseur. J'ai dit une chose. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Jésus a dit, allez, purifiez les lépreux. Vous, guérissez les malades. Vous, purifiez les lépreux. Parce que ce qu'il faut, vous l'avez déjà. Je vous parle de l'évangile. Je ne vous parle pas de la religion ce soir. Je vous parle de la divinité dans l'humanité. Alléluia. Je parle de la divinité dans l'humanité. Il dit, Paul le guérit. Il n'a pas dit, Jésus a guéri le malade. Ça, c'est plus fort que toi. Je ne parlerai pas de ça. Praise God. Maintenant, regardez. Il dit, Josué bénit Caleb et lui donna la ville pour possession. Vous savez simplement ce qui a aidé Caleb à prendre possession de la ville? La parole de Josué. La parole de Josué a aidé Caleb à prendre possession. Parce qu'en ce temps, le peuple devait seulement écouter le prophète Josué. Et quiconque avait écouté, lisez le livre de Josué, les tribus qui avaient écouté la voix de Josué avaient pris possession de ce que l'Éternel leur avait promis. La voix de celui que l'Éternel a envoyé pour toi. Maintenant, nous avons permis au désordre de rentrer dans l'église. Alléluia. Parce que nous avons tous le Saint-Esprit. Nous lisons tous la Bible aujourd'hui. Donc, il n'y a plus qui à qui. Tout le monde. Il y a des églises dans lesquelles même on dit tout le monde est frère. Écoute-moi, toi et moi, on est frères en Christ, mais toi et moi là, on n'est pas collègues. Tu entends ce que je t'ai dit? Que tu aimes ces paroles de ce soir, toi et moi, on n'est pas collègues. J'ai quelque chose que toi, tu n'as pas. J'ai quelque chose que tu n'as pas. Si tu es assis ici ce soir, c'est parce que j'ai quelque chose que tu cherches que tu n'as pas. I have something in you, you don't get. J'ai quelque chose que tu n'as pas. Et d'autres aussi ont certaines choses que je n'ai pas. Et je cours aussi après ces personnes pour avoir ce qu'ils ont. Écoutez. C'est parce que nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Un jour, je priais. Et Dieu m'a dit, va voir ton père. Va voir Bishop. Et j'ai dit, mais Seigneur. Dieu dit non. Je t'ai réservé certaines choses auprès de lui. Aujourd'hui, nous avons une mentalité. Quelle est cette mentalité? Je peux parler à Dieu. Dieu peut m'écouter. Dieu va m'écouter. Mais il y a une seule chose que vous avez oubliée. Vous avez oublié quelque chose. Que Jésus a confié l'église à certaines personnes avant de partir. Alléluia. Jésus a confié l'église à certaines personnes avant de partir. Alléluia. Jésus a confié, si ces personnes n'étaient pas importantes dans l'église, Jésus n'allait pas les établir comme des apôtres. Il n'allait pas les établir comme des pasteurs. Il n'allait pas les établir comme des évangéliques. Il n'allait pas les établir comme des prophètes. Il n'allait pas les établir. Alléluia. Il n'allait pas les établir. Il n'allait pas les établir. Donc les gens ne sont pas bénis dans l'église. Les gens ne sont pas bénis dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté le ministère de l'homme de Dieu. Ils sont assis, je ne sais même pas pourquoi ils sont assis. Si j'étais à ta place, je ne resterais pas dans une telle église. Je ne resterais pas. Si je ne crois pas au ministère de quelqu'un, je ne vais pas m'asseoir à ses pieds. Je ne vais pas m'asseoir. Alléluia. Alléluia. Yeah. Une seule phrase sur ta destinée va ouvrir ta destinée. Une seule phrase. Je t'ai dit, tu vas jeûner 40 jours, ça n'arrivera pas. Mais une seule phrase, je vais prononcer toute ta vie, ça va changer. Écoute-moi, je vais vous dire une chose. Ça là, hein, je l'ai. Je l'ai. Parce que Dieu
Écoutez-moi bien. Me l'a donné à cause de certaines personnes. Peut-être que tu fais partie de ces personnes. Peut-être que tu fais partie de ces personnes. Alléluia. J'ai cette chose. Dieu me les a données. Alléluia. Dieu m'a... Oh my God, my God. Dieu m'a confié certaines choses pour toi. Amen. Dieu m'a confié certaines choses pour toi. Il y a certaines choses qui t'appartiennent, qui ont été déposées auprès de moi. Et j'ai été envoyé pour te délivrer ces choses. Amen. Mais comment je vais te délivrer ces choses si tu ne crois pas que j'ai été envoyé de Dieu? Alléluia. Si tu crois que j'ai une petite magie quelque part. Alléluia. Amen. Donc, quand tu écoutes la voix de celui que le ciel a envoyé pour toi, écoute-moi, tu auras de la facilité à posséder les choses dans la vie. Écoutez, je vais vous dire une chose. Une autre chose, c'est de dire je prends possession. Une autre chose, c'est que le supérieur dit prends possession. Une autre chose, c'est de dire je prends possession. I take it, I take it. Une autre chose, c'est qu'une autorité spirituelle te dit prends. Praise God. La voix qui a été envoyée pour toi. Et vous ne serez pas obligé de faire un long moment de pénitence, de jeûne, si seulement vous pouvez écouter la voix de celui que Dieu a envoyé pour toi. Praise God. Tandis que tout le monde pleure pour avoir Marie, I will just speak a word for you. Ça va créer toute chose. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé il y a longtemps. Et j'ai vu les preuves de mon appel. J'ai vu les preuves de mon apostolat. Praise God. Je n'ai pas été envoyé au caillou. J'ai été envoyé vers les hommes. Il m'a donné quelque chose. Il m'a dit va. Il m'a dit la gloire que le Père m'a donnée. Je te donne cette gloire. Je transporte la gloire de Dieu. Je te dis la vérité. Je transporte la gloire de Dieu. La gloire de Dieu même c'est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. Rien ne peut me limiter sur la terre. Parce que je ne suis pas parti sur les ordres d'un homme. Alléluia. Non. Je ne suis pas parti sur les ordres d'un homme. Je ne me suis pas fait prophète. Je ne me suis pas fait apôtre. Alléluia. Il m'a établi son apôtre. Il m'a dit, je t'envoie comme le Père m'a envoyé. Le mandat et l'autorité dans laquelle le Père m'a envoyé, je t'envoie dans ce mandat et dans cette autorité. Et les choses qui n'ont pas résisté à ma voix ne peuvent pas aussi résister à ta voix. Amen. Amen. Praise God. Ce que je vous dis, c'est important dans la vie. Il m'est arrivé, j'ai trouvé certaines personnes qui ont fait 5 églises. Si c'est pourtant les choses qu'ils cherchent, ils ne l'ont jamais eu. Ces 5 ou 6 églises dans lesquelles ils sont passés, Dieu n'était-il pas là-bas? Non, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu s'asseoir. Ils n'ont pas voulu qu'on les discipline. Ils n'ont pas voulu ça. Nous sommes des brebis. J'ai trouvé quelque chose dans la Bible ces jours-ci là. Et c'est fort. Psaume 23, versets 4 et 5. David a dit, ta houlette me rassure. Vous savez le mot que j'ai trouvé? En anglais, il dit, ta houlette, ton bâton me donne du confort. Tu as oublié ça. Il dit, ta houlette et ton bâton me donne du confort. Et j'ai dit, comment le bâton peut donner du confort à quelqu'un? Et l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre. Psaume 27. Psaume 23, s'il vous plaît. Me rassure là, c'est le confort que j'ai trouvé dans la version anglaise. Regardez. Il dit, your rod to protect and your staff to guide me.
that comfort me. Maintenant, le bâton et la houlette, c'est deux choses. Amen. Le berger avait deux bâtons. Il avait un long bâton et il y avait un autre bâton qui avait une tête comme ça, qui est la houlette. Amen. Il dit la houlette. La houlette est un peu comme ça. Viens, viens, peut-être viens. Ok, la houlette. Quand la brebis est en train d'aller là-bas, tu mets la houlette à son coucou, tu la ramènes ici et tu utilises le bâton pour lui donner un coup ici. Donc le berger avait la houlette et le bâton. Pendant que les brebis sont en train de marcher et lui veut sortir du troupeau, le berger prend la houlette et l'amène. Et prend le bâton et lui donne un coup. Amen. Et maintenant il dit, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Vous voyez, tel que les brebis sont simples pour les filles asseoir, ce n'est pas le bâton qu'on les fait aussi asseoir. Les brebis là, hein, pour les filles asseoir, telles qu'elles sont simples, tout là, c'est seulement par le bâton que le berger les fait asseoir. David dit, tu me fais reposer dans de verts pâturages. David même a dit, oh Dieu, je ne suis pas roi, je suis brebis. C'est pour ça qu'il a dit, l'Éternel est mon berger. Si tu as une brebis, tu ne manqueras de rien. Il dit, tu me conduis vers les eaux paisibles. Pour que tu ailles vers les eaux paisibles, la houlette et le bâton. Vous voyez, c'est pour ça tous les jours. Les choses nous arrivent. On ne sait pas, on dit, ça fait mal. Ce que Dieu fait, ce n'est pas bon. Dieu dit, non, ma houlette et le bâton. Faut t'amener vers les eaux paisibles. Toi, tu veux aller vers les eaux troublées. Dieu dit, je veux t'amener vers les eaux paisibles. Praise God. Et vous voyez, je regarde maintenant comment tous les jours, bien que le berger, viens, viens, viens. Tu as eu une vision, il n'y a pas quelques temps, sur les brebis. Dis cette vision à ce peuple. J'avais vu un berger certainement avec des brebis, beaucoup de brebis, et ils étaient en train de marcher, le berger était devant avec le bâton. Donc, ils ont fait une longue marche, arrivé à un niveau. Il y avait trois d'entre les brebis qui ont refusé de marcher. Et ils mettaient les pieds par terre, comme des boucs, voilà. Comme ça, comme papa a fait. Et le berger a laissé le reste, est venu derrière et il leur a parlé. Il leur a parlé. Ils se sont compris, le berger est retourné et ils ont continué à marcher avec les autres. Arrivé encore à un niveau, les mêmes trois brebis là ont encore commencé par faire comme des boucs. Et là, le berger est revenu derrière, il les a pris, il les a portés, il les a emmenés. Et ils ont continué. Et je voyais au fond, un peu au fond, très de lointain là, je voyais comme il y avait des... Ces ruisseaux torrents, je ne sais pas. Qui descendaient. De oui, de la montagne. Et les mêmes trois brebis ont encore commencé à se comporter comme des boucs. Et là, le berger est revenu, il a commencé. Là, il ne parlait, il n'était plus tendre, il n'était plus doux. Donc, ton sévère, j'ai vu qu'il réprimandait les brebis pour marcher, pour avancer. Il y a eu deux autres qui se sont détachés et qui ont commencé par avancer. Il y a eu un autre qui a refusé. Comme bouc, il se levait vraiment de façon violente. Alors le berger l'a pris et l'a éventré. Il l'a pris et l'a éventré. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, il a mis par terre. Il disait aux autres, mangez, mangez. Donc il y en avait qui mangeaient goulûment, vraiment. Il y en avait, bon, ça ne leur disait rien. Ils étaient un peu distraits. Il disait, mangez, je vous dis, mangez. Et j'étais là, je disais, mais les brebis ne mangent pas ça. Et il me dit, les brebis mangent ce que je leur donne. Dis-leur, dis-leur.
Et il y en avait qui mangeaient, qui étaient devant, qui mangeaient. D'autres qui étaient derrière couraient, ont couru pour venir devant pour manger. Mais il y avait aussi d'autres devant qui ne mangeaient pas, qui étaient distraits. Donc c'était un peu ça. Vous savez ce que cela veut dire? Parfois Dieu est patient avec nous. Parfois Dieu est doux avec nous. Alléluia. Parfois il est doux avec nous parce qu'il veut qu'on aille quelque part vers les eaux paisibles. Mais quand vous décidez de devenir des boucs, parce que quand les boucs restent dans le troupeau, les boucs troublent le troupeau. Les boucs là, c'est Boa Lunkui. C'est les boucs qui font comme ça. C'est les boucs qui soulèvent l'air comme tout. Les boucs troublent le troupeau. Et le berger a été obligé de ventrer. Et tout ce qu'il y avait dans le ventre de cette brebis, le berger a dit aux autres brebis, mangez. Vous savez ce que cela veut dire? Vous ne connaissez pas Jésus. You don't know Jesus. Si tu connais réellement Jésus, tu vas le respecter, tu vas le craindre. Il dit, je donne à mes brebis, ce que je donne à mes brebis, c'est ça, ils mangent. Tout ce qui est en toi, qui font ta fierté, tes épaules sont en haut. Dieu dit, je vais te les prendre et je vais donner ça à ceux qui sont des brebis. Alléluia. Décidons de devenir des brebis du Seigneur. Si je ne suis pas une brebis, il y a longtemps, qui aurait fini avec moi? Et de temps en temps, ça où l'être son bâton me rassure quotidiennement. Si vous refusez que la houlette et le bâton de Dieu ne vont pas vous rassurer, vous n'aurez pas le confort. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, mes brebis ne suivront pas un mercenaire. Vous savez ce que cela veut dire? Oh my God, Lord have mercy. Ce qui veut dire, la brebis qui connaît la voix de son berger, un mercenaire ne viendra pas l'enlever. Quel que soit ce que le mercenaire fait, praise God, un mercenaire ne viendra pas. Beaucoup sont sans berger. Beaucoup n'ont pas de couverture spirituelle. Alléluia. Beaucoup n'ont pas de couverture spirituelle. Et c'est pour ça que beaucoup de choses les arrivent dans la vie. Ils sont comme des boucs dans la maison de Dieu, ils ne sont pas des brebis. Ils sont comme des boucs, pas des brebis. Jésus veut seulement des brebis dans sa maison. Il ne veut pas des boucs. Il ne veut pas des chiens. La Bible dit, faites attention aux chiens, qu'il y a des chiens dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a des chiens. Il y en a qui sont des chiens dans la maison de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible le dit dans le livre de Thessaloniciens ou dans le livre de Timothée. Il y en a qui sont des boucs dans la maison de Dieu. Il y en a qui sont des bœufs dans la maison de Dieu. Praise God. Mais seulement c'est les brebis que le berger va diriger. Aucun berger. Les bergers, ce n'est pas toujours les boucs de leur troupeau. Parce que les boucs sèment toujours le trouble dans les troupeaux. Es-tu une brebis du Seigneur ou es-tu un bouc? Es-tu une brebis du Seigneur ou es-tu une bouc? Si tu es une brebis, tu dois connaître la voix de ton berger. Praise God. Es-tu une brebis du Seigneur? Es-tu une brebis de MPA? Je ne veux pas de bouc dans cette maison. Non, je ne veux pas de bouc. Je veux des brebis dans cette maison. Des brebis, des brebis. Voyez, quand vous êtes brebis, Somme 23 devient votre héritage. Vous pouvez réciter Somme 23, ça ne va pas vous bénir. Vous pouvez réciter du matin jusqu'au soir. La seule condition pour que le Somme 23 vous bénisse, c'est quand vous êtes une brebis. Et le roi David même a dit, l'Éternel est mon berger. S'il a dit, l'Éternel est mon berger, ça veut dire qu'il a accepté qu'il est une brebis. Tu n'es pas une brebis et tu récites Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Praise God. Dis Seigneur, aide-nous à être de véritables brebis. Des brebis dans ta maison. Pas des boucs.
mais des brebis. Je suis venu ce soir pour parler sur la vie de quelqu'un ce soir. J'ai dit, je suis venu parler sur la vie de quelqu'un ce soir. J'ai dit, je suis venu parler sur la vie de quelqu'un ce soir. Je suis venu parler sur la destinée de quelqu'un ce soir. Si c'est sur toi que je suis venu parler ce soir, dis amen et tiens-toi debout.